Alors le tétanos, c'est une bactérie qui est présente partout dans l'environnement. Le tétanos, c'est la maladie qui est médiée par cette bactérie. Cette bactérie, elle est cosmopolite, c'est-à-dire qu'elle est partout. On l'a en France, mais on l'a dans tous les pays du monde. Elle est responsable du tétanos, qui est une infection. Et on se la transmet, on va avoir le tétanos par directement la surinfection d'une blessure qui était là préalablement et qui a été mal désinfectée. Heureusement, ça se soigne. Alors le tétanos a été responsable de centaines de milliers de morts auparavant. Maintenant, on a deux traitements. Le meilleur, c'est le préventif, et c'est obligatoire en France, c'est le vaccin contre le tétanos que l'on a quand on est tout enfant, avec des rappels aux petits enfants, le rappel à 6 ans, à 11 ans, puis après à 25 ans, et ensuite c'est tous les 20 ans, 45 ans, puis 65 ans, et ensuite tous les 10 ans pour les plus anciens. Si on n'a pas été vacciné, ça arrive encore, il y a à peu près 9 enfants sur 10 sur la planète qui sont vaccinés, il y a encore 10% des enfants qui ne le sont pas, ou si on a oublié ces rappels, et c'est pour ça que le tétanos, dans les pays industrialisés comme la France, ça touche des sujets très âgés qui ont oublié leurs rappels, on peut faire l'infection, et dans ces cas-là, il faut déjà y penser, la diagnostiquer, et on a à ce moment-là trois volants de traitement, un antibiotique, c'est de la pénicilline qu'on va donner par voie intraveineuse pendant 10 jours, une sérovaccination, globalement, on va vous donner des anticorps que vous n'avez plus pour contrecarrer la maladie. Et enfin, on va vous revacciner. Pourquoi ? Parce que même si vous avez fait la maladie, elle n'est pas immunisante et vous nécessitez cette vaccination qu'on va redébuter.